Moi, je fais beaucoup de tournées partout au Québec, tu sais, et je dors souvent dans les chambres d'hôtel. Et j'ai vu à un moment donné un reportage sur la chaîne américaine ABC. Il disait que les chambres d'hôtel, c'est pas aussi propre qu'on pense. Dans ce reportage-là, ils ont fait une genre d'enquête, ils ont caché des caméras un peu partout dans les chambres. Et là, on pouvait voir les femmes de ménage rincer les vieux verres à l'eau, les essuyer et les remettre sur le comptoir. Pas de savon. Il disait dans le reportage qu'il y a des verres qui n'ont jamais quitté la chambre depuis des années. Et qu'à cause de ça, nous autres, on peut attraper des maladies comme le E. coli, l'herpès, l'hépatite et la bactérie mangeuse de chair. Même genre de patente que tu peux pogner si tu te frottes sur Miley Cyrus. Puis dans les hôtels, pour nous prouver que nos verres sont propres, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un petit papier par-dessus, exactement. Mais ça prouve quoi, ça? Moi, je suis capable de prendre un papier, mettre ça par-dessus un verre sale, rentrer ça par en dedans, puis mettre ça là. Mais nous autres, on se pose pas de questions, hein, ou on veut pas le savoir. On regarde ça, on se dit, ah, ben, il y a du papier, il est emballé, il doit être propre. Ça, c'est comme à 3 heures du matin, des fois, en sortant des bars, on se pose pas trop de questions, hein? Ah, elle est bien habillée, bien peignée. Elle doit être propre. Mais le pire, parce que malheureusement, il y a pire, il disait dans le reportage que les couvre-lits sont lavés seulement une fois par année. Et que la manette, la télécommande de télévision, pratiquement jamais. Et que parmi tous les endroits possibles dans la chambre d'hôtel, c'est à ces deux endroits qu'on retrouve le plus de sperme. Quand je pense qu'avant d'avoir vu ce reportage-là, moi, la première chose que je faisais en arrivant dans ma chambre, c'était de m'étendre sur le couvre-lit puis de zapper avec la télécommande. Pis si c'était avant un show comme à soir puis j'étais nerveux, ça m'arrivait de ronger la télécommande. Quand je pense que je mangeais des chips, je changeais de poste avec la manette, je remangeais des chips avec la même main. Pis si c'était des chips au ketchup, au barbecue, au fromage, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? On suce les doigts! Imaginez, mettons, je serais mort ce soir-là, moi. Patrick! Patrick! Non, madame, vous ne pouvez pas entrer. Non, non. À l'autopsie, on aurait annoncé à ma blonde, madame. Je suis désolé de vous apprendre ceci, mais... Il semble bien que M. Groux, au moment de son décès... avait du sperme dans la bouche. Du sperme. Patrick! Du sperme, mais voyons donc, ça se peut pas! Pas mon chum! Voyons, ça se peut pas, c'est pas mon chum. Le sperme de qui? Ah ben ça, c'est très difficile à dire, madame. Ils étaient au moins une bonne centaine! Bonne journée. Yeah.